Yo tout le monde, c'est Fixy, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme, en tout cas moi, ça va nickel. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis sur Call of Duty Vanguard en recherche et destruction sur la map Red Start, qu'on n'a pas vu souvent. Vous n'allez pas l'avoir souvent parce que je suis pas tombé souvent dessus en fait, tout simplement. Et on est donc 16 contre 16. Alors ça change parfois c'est 10 contre 10, parfois c'est 20 contre 20. Voilà, et j'ai aussi vu, je crois en tout cas qu'il y aura un mode zombie sur ce Call of Duty. Voilà, donc je pense qu'il y en aura un, et puis quand le jeu sortira je l'achèterai en tout cas. Bref, en tout cas les amis, j'espère que les vidéos qui vont sortir sur Vanguard vont tout simplement marcher, vont faire des vues. Et je compte sur vous pour partager tout simplement mes vidéos, ça soutient la chaîne tout simplement. Red Start, c'est une map que j'aime beaucoup clairement. Et donc là on est en très haute intensité, 16 contre 16 en recherche et destruction tout simplement. Ensuite on ira en pavillon je crois, je sais plus le hot mode ce que c'est, mais on va y aller après. Voilà. Et je ferai aussi une vidéo je crois où je teste les armes, parce que ça c'est une vidéo assez sympatoche que j'aimerais bien tourner. Donc c'est parti. Allez. Ok, donc là l'objectif est tout simplement de tout niquer. Et surtout de faire une meilleure game que ce qu'on a fait précédemment. Ça va pas être très compliqué vu que tout à l'heure on s'est fait niquer et complètement labourer la gueule. Voilà. Actuellement, oh putain. Je peux me faire snipe à tout moment là, il faut que je fasse gaffe. Oh putain, faut que je fasse gaffe. Putain, faites gaffe. Niveau discrétion, eux ils sont à leur paroxysme. J'aimerais bien sauter mais j'ai peur de me faire niquer. Mais putain, mais arrêtez de faire ça. Mec, ils croient que c'est des cracottes le truc. Oh, calmos. Bon, pour l'instant, il n'y a personne. Et là, je vais me prendre une tête, j'ai rien comprendre. Ah, oh putain. Oh putain. D'accord, de toute façon, on avait perdu. Hein. Ils étaient 2 contre 2 contre 6. Oh le bâtard. Le mec, c'est un plan quart d'heure. Ouais, je donne des noms. Moi. Bon, heureusement, c'est une nouvelle game, hein. C'est pas une game qui a déjà commencé, donc là, perdez qu'on peut toujours remonter en cas de d'échec éventuel. On va perdre. comme je disais, heureusement, la game n'a pas déjà commencé. Par contre, pour tester les armes sur ce Call of, ça va être un peu galère. Hein. Je pense que je le ferai dès que j'achèterai le jeu. Et d'ailleurs, j'ai acheté un... Comment on appelle ça? Un splitter, parce qu'en fait j'ai un boîtier d'acquisition pour faire des vidéos sur PS3. Parce que de base je l'avais acheté pour faire des gameplays sur PS3, parce que j'ai plein de jeux sur PS3 trop bien à vous présenter en vidéo. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je ne pouvais pas, parce que en fait tout simplement ce qui s'est passé c'est que j'avais, comment on appelle ça, un des droits d'auteur qui fait que je ne pouvais pas faire de vidéos sur PS3. Et du coup il me fallait un autre petit boîtier qu'on appelle un splitter HDMI. Donc il y a plusieurs splitters, hein. Moi j'ai pris le 1.2, donc en fait il y a deux sorties HDMI. Je n'ai pas pris plus. Fils de pute. Je n'ai pas pris plus. Et du coup, en gros, ça me permet tout simplement de pouvoir faire des vidéos live sur BO3. Ah oh, putain, je suis nul. On va peut-être gagner. Hein. Pour l'instant, on est mal parti. Tu ? Oui. Oh, nickel. On est à 5 à 6. On est à 4 à 6. C'est... Là, il nous reste 2. Déjà, 2 qui sont... Allez, 4 à 5. Et qu'est-ce... Oh, il y a un tunnel. Oh, je savais pas. Trop bien, bah écoutez, là, dès qu'on peut, on y va. 4 à 3, vas-y, poteau, vas-y. Tourne ta tête. Voilà, putain, il prend plus de... Oh, mais je savais pas. Ou alors, je savais, mais sur le coup, je savais pas. 3, fais gaffe. Fais gaffe, poteau, tu vas te faire tuer. Je te parie que tu vas te faire tuer. Mais cours te réfugier, mec, il est... Il va se prendre une tête dans le... 3. Oh nickel, si on a égalité, comment ça fonctionne du coup? On a gagné ou pas? On a 30 secondes. 30 secondes pour crever. Il va se tuer, je suis sûr, il va se tuer. Et du coup, on sera baisé. Oh non, nickel. Nickel. Oh putain.
qu'on va gagner grâce à lui. Oui, plus qu'un. Plus qu'un, une 3. À part si c'est un sniper de l'extrême. Oh putain, fais gaffe, poteau. C'est là, c'est The Zone. Il va se tuer, c'est sûr. Là, je pense qu'il se dit, c'est bon, on est tranquille. On est 3, ils sont 2. Et il a raison. Je crois qu'il s'est suicidé parce que je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu se faire tuer par l'ennemi, par notre coéquipier. Ah, sinon, il s'est fait tuer. Il s'est bien fait tuer. Et avec la chute, bah, ça a été inévitable pour ce joueur. Je commande bien. Dites-moi si je commande bien. Donc là, c'est parti. On va aller tout simplement dans le petit tunnel, les amis, si je peux. Si je peux, si je peux, si je peux. Vas-y, le grenade. Mais putain, mais putain, mais putain, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais je suis nul, mais bah, s'il vous plaît, dites-le moi que je suis nul, c'est... Je suis nul, 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 je suis nul. On va gagner, mais c'est... Mais je me fais tuer à chaque fois. À chaque fois, je me fais éliminer, alors que dans d'autres gameplays, quand je filmais pas, je... Je sais de ces kills, c'est un truc de ouf ça. C'est un truc de ouf. Quand je filme pas, je te fais des compilations de kills, mais du. C'est incroyable. Je suis ému tellement c'est incroyable. Et quand je filme, il n'y a plus rien. Mon shoot part. Mon shoot se dit c'est bon, il filme. On va se casser. Il ne faut absolument pas qu'il filme ses instants de bonheur. Oh putain, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Heureusement qu'on les nique. Hein. Là, c'est bon, on sera 2-1. 6, 2, 5, 2. Putain, ça descend vite. Hein. Et il faut arrêter de descendre maintenant. Là, il faut. Oh. Voilà. Voilà pourquoi on perd. T'as un joueur qui joue pas. Il va s'en tuer. Là, lui, je sais pas trop ce qu'il fait. Est-ce que. Non. Pour l'instant, on est à 3-2. C'est un peu chaud. D'accord. Ok, nickel. Du coup, là, on est à 2-2. Donc, il y en a... Ok, bon, on est tout seul. Et lui, il a, bah, il a arrêté de jouer. Donc, on a perdu. Voilà. On aurait pu gagner. On était à 5-3. Et on s'est fait laminer. Voilà. Donc, ça me fait chier parce qu'on trouve les joueurs qui crèvent connement. Moi qui joue comme une merde. Et les joueurs qui arrêtent de jouer sans aucune raison, hein, clairement. Ça me fait chier parce qu'on est en train de perdre pour rien. Donc là, il faudrait qu'on remonte, hein, sinon, si on est à 3 ou 4 à 1, autant vous dire qu'on est baisé. Donc là, je vais passer par là. Et avec mon poteau, on va essayer de... Pff, crever, quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Je vais même pas te dire, on va essayer de faire des kills, parce que bon, à notre niveau, clairement... Tu veux faire quoi? Hein, tu veux... Putain, lui, il a des coucougnettes, hein. Il a fermé la porte explosée, tu sais. Putain, faut faire gaffe parce que ces connards ils peuvent passer par là aussi. 15 à 10, oh c'est bien ça. Ferme pas, espèce de con. Faut défendre ici, non? Vas-y. Putain, elle est stylée cette Thompson. 5 à 11. Moi, je suis la dernière remparte. C'est-à-dire que si je crève, tout le monde crève. Voilà, clairement. Oh, vas-y, je vais mettre là. 10 à 2. Oh putain! On les a laminés. Oh, 10 à 1. On se fait défoncer depuis le début. Et là, 10 à 1. Tranquillou. Incroyable. On les a défoncés tout à l'heure, c'était. On a fait du caca vers la fin. Mais là, les amis, on les a explosés. 10 à 1. C'est excellent. Excellent. Je suis très fier de vous. Utilisez le Goliath, non merci. On va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va aller là. Tac, on va défendre notre objectif. Ok, on peut pas plus casser. Ok. Il y a un ennemi qui s'est fait tuer.
juste là. Ok. Oh putain. Ok. Oh putain, on va monter. En tout cas, pour l'instant, les amis, on se met très bien. 5 à 3. Faire gaffe ici parce qu'il y a des putains de snipes. Ouais, bah tout à l'heure c'était la fin aussi et on s'est fait laminer hein, donc j'aime pas trop quand tu dis c'est la fin. C'est la fin pour qui? Pour nous ou pour eux? Parce que on pourrait dire que c'est pour eux, mais comme je te dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui défend au moins? Parce que s'il y a personne, on est mort. Nickel, victoire. Ok, là on est en train de remonter, ça c'est bien. En plus j'ai fait un kill, je suis content. Allez, montre. Nickel. Ok. Là il faut qu'on continue. Dès qu'on sera à 4 ou à 5 et tout, là on sera bien. Je continue à aller là. Tac, on est bien ici. Tac. Oui. Première élimination. Oh non! Oh le bâtard! Si ça car... Non, non, on va perdre, on va perdre, on va perdre. On va perdre, putain, mais non. Pff. Vous allez me dire, t'es négatif, Arthur, mais Fixi, mais non, mais voilà. C'est, je parie, je parie, voilà, je. Lui, il joue pas. Clairement, il joue pas. Toffee, il va se faire niquer, Toffee, parce qu'il a une merde déjà, et en plus de ça, en plus de ça, je sais même pas pourquoi, mais je sais qu'il va crever. Oh là là, oh là, qu'est-ce qui s'est passé là? Le mec l'a suivi, il ne l'a pas vu, il s'est reculé, il s'est fait tuer. Toffee, fais gaffe, c'est la ligne de mire de tous les joueurs là, Toffee, hein, tu vas te faire niquer. Et on va perdre aussi. Vas-y, monte, rentre. Rentre, putain. Mais tue le connard. Putain, tu vas le tuer. Oh, oh, je t'aime, Toffee, je t'aime. Vas-y, continue à tuer des gens. Tu continue. Ok, donc là on est 3, ils sont 3, on est 3, ils sont 2. Si t'en tues un, on a une chance. Si t'en tues pas, on est un peu moins chanceux. Ok, 2-2, oh, nickel, on va crever. Voilà, nickel, super. Et donc là, on n'a plus qu'une personne pour tuer des personnes. Nickel, ben on est dans le caca vu que c'est l'autre bouffon là. Qui ne joue pas, nickel, Jésus, Jésus. Ok, super, il a changé de pseudo maintenant. Voilà, donc on est à égalité. Ça va être très serré. Je pense que cette gameplay s'appellera gameplay extrêmement serré sur Vanguard. C'est bien parce que les situations comme ça permet de trouver des titres facilement. Ok, bah nickel. Hein. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc là, on a égalité. Du coup, vu que bah, on a notre cher poteau là qui non seulement n'a pas pris de points et en plus de ça, voilà, super. Égalité. Voilà. Bah, parfois, il y a équipe 2 et équipe 3, et ils disent égalité quand même, c'est bizarre. Bombe, ok. Mec, il. Allez.
C'est clairement la zone à ne pas aller. Du coup, je ne vais pas y aller. Escorté. Catastrophique. Je sais pas s'il y a des easter eggs sur cette map. En fait, on tue un joueur, on se fait. Voilà, on nickel. Allez, allez, 1-1-1. En fait, qu'il y a deux joueurs qui arrivent et là, qui les déglinguent tous là. Allez, tu vas y arriver. Allez, tu ne vas pas crever. Allez, il ne reste plus qu'un joueur. S'il te plaît, tue-le. Parce que y en a. Incroyable. Donc là il nous reste deux manches à gagner et eux trois. Je pense que c'est faisable clairement. Si je ne crève pas en début de manche bien entendu. Donc c'est parti. Let's go. Let's go. Ok, déjà on va se calmer au niveau des pistolets. Moi j'ai passé de l'autre côté. Normal, me diras-tu? Pourquoi personne ne passe par là? Je ne sais pas. Peut-être parce que c'est là. Oh putain de merde. Oh doux Jésus, tu m'as fait peur toi. Vas-y. Mais putain! Mais j'ai. Mais putain, mais comment ils font? Ils sont cheatés, j'ai envie de dire qu'ils sont cheatés, ces enfoirés! Mais à chaque fois, je crève! À chaque fois, je crève! À chaque fois, je crève! Voilà, là, ils vont remonter, ces bâtards, et ensuite, ils vont nous achever vers la fin! Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On voit une grenade, peut-être, non? Je sais pas. Non, on voit pas de grenade, t'as raison, on fait rien. Ok, nickel. Nickel, en même temps on a perdu un joueur. Là on va se faire buter, du coup on sera à 3-3 parce que là c'est clairement le pire endroit pour, mais lui il reste là, c'est normal. Aucun joueur n'aurait lui. On va perdre, on va perdre, on va perdre, on va perdre. Allez, allez, allez. Si, fais gaffe. Nickel. Ok, donc là, nickel, on a gagné. Plus qu'une manche. Là, il faut que je me mette à fond. Parce que clairement, un peu avant, tu vois, bon, j'étais un peu timide. Je me suis dit, putain, faut pas que je me fasse tuer dès le début. Mais là. Bah là du coup je vais faire comme tout, comme depuis le début, hein. Je vais me faire niquer depuis le début. Mais j'aurai pas de stress parce qu'on est à 5 et ils sont à 3. Donc là c'est beaucoup mieux. Donc c'est parti les amis. Yéhi. On va y aller. Je vais passer par l'autre côté, on va tous les déglinguer, en tout cas c'est ce que j'espère. Allez monte, 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 go, 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 go. Putain, le fils de pute! Le bâtard va. Il a pas honte de faire ça, cet enfoiré. Non, 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 j'ai pas honte. Putain, connard va. Je suis dans leur ligne de mire. Mais putain! Il était là, ce fils de... Il était là!
Et ben voilà les amis, ben la vidéo est finie. En plus, j'espère que vous aurez fait kiffer. En même temps, on a augmenté en grade et ça, c'est muy caliente. J'espère que la vidéo vous aura plu les amis. Voilà, là je ne peux plus jouer je crois. Ah si, je peux. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Pixy, portez-vous bien. Peace. Back from the dead.